Joyeux Jonathan, dont le titre c'est Ça ira. Alors Théodrène, tu es prêt? C'est parti? Oui. Bon, alors, les deux premiers accords, ça va être D et G. Alors montre-moi comment tu fais le D. Le D. Alors, doigt 1. Doigt 1, doigt 2, 3. Voilà, doigt 2, doigt 3, très bien. Qu'est-ce qui se passe avec le dé? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Tu te rappelles? Alors, avec le dé, ce qu'il a de particulier, c'est qu'on gratte que les aigus, c'est-à-dire on ne gratte pas les deux premières cordes. On joue comme ça. Donc la chanson commence comme ça, en dé. Attention à ton petit doigt, voilà. Ok. Et là, la rythmique fait comme ça. Alors, essaye de faire. Au bas, 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 au bas. Toutes les cordes. Toutes les cordes. Enfin, non. Là, je ne regarde pas toutes les cordes. On a l'impression. Mais si tu regardes bien, je ne touche pas les deux cordes du haut. Alors là, tu joues, Théodrène, que sur le bas. Moi, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est au bas, au bas, au bas, au bas, au bas. J'arrive pas en bas. Essaye. C'est en essayant qu'on finit par y arriver, Théodrène. Il ne faut pas se dire « j'y arrive pas », il faut se dire « je vais y arriver ». Et en attendant, tu fais comme tu peux. D'accord. Donc là, on est en D. On continue sur ce rythme-là. Il n'est pas très joli en son ton D. Là. Tu appuies bien sur tes cordes. Attention que tu n'aies pas de droit doigt sur la frette. Allez, on essaye de garder le rythme. Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolies. Et là, on va passer en G. Donc, doigt 1, doigt 2, doigt 3. Doigt 1. Ton doigt numéro 1, Théodrène, c'est celui-ci, ton index, voilà. 1, 2, en haut, case 3. Doigt numéro 3, en bas, case 3. Voilà. Donc là, tu es en G. Et là, on gratte toutes les cordes. On prend le doigt numéro 2 et le doigt numéro 3 dans la case 2. Très bien. Et on joue toutes les cordes. Dis-moi si tu aimes bien nous paraissent nos matins d'amour. Alors, pour faire le re d'amoureux, on va passer en A. Pour faire le A, alors là, on est en EM avec deux doigts collés. Pour faire le A, on colle trois doigts et on descend un peu plus bas et on pose ces trois doigts dans la case E, dans la case 2. Comme ça? Voilà, c'est comme ça, Théodrène, sauf que là, tu es ici. Oui. Tu es comme si tu faisais un EM, alors qu'il faut que tu descendes ici. Comme ça? Voilà. Alors, tu vas t'entraîner à faire ça. A,
EM. A en dessous, deux doigts EM on remonte, trois doigts A en dessous, deux doigts EM on remonte. D'accord. On reste en EM et on refait cette partie là. On prend le rythme. Dis-moi si tu aimes bien nos paresses et nos matins d'amour. On repasse en EM. Dis-moi que c'est un début. Tu vois déjà la suite. À nouveau en A. Ok. Donc là, tu viens de faire ça. Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Tout ça, d'accord. Par la suite, ça va revenir à nouveau à D, G, D, G, puis à nouveau à E, A, enfin E, M, A et E, M, A. D'accord. Donc on reprend en D et on finit la phrase en G. 2, 3. Je suis la seule que tu n'aies jamais autant désiré. Et on passe en G. Doigt 1, doigt 2, doigt 3. On revient en D. Doigt 3, bien. Je n'ai plus de rendez-vous. Et là, on va faire les EMEA. On revient en EM. Avec toi, c'est évident. Je suis prête à oublier mon bas. Trois doigts, on descend en A. Donc c'était dis-moi que si tu es large, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. On revient en D. Dis-moi qu'au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui te rendent heureux. G. EM. Dis-moi si tu aimes bien nos paresses et nos matins d'amour. A. Dis-moi que c'est un début, mais que tu vois déjà la suite à deux. Ah. Et à nouveau, dis-moi que je suis la seule que tu n'aies jamais autant désirée. J'ai dit, je n'ai pas de rendez-vous, plus de rancœur que j'ai envie d'accepter. Avec toi c'est évident, je suis prête à oublier mon passé. J'ai toujours aimé charmer, mais peu importe, il n'y a qu'à toi que je plais.
Et on se retrouve à la fin du couplet en A. Donc, tu te replaces en A. Voilà. Et on entame le refrain sur cet accord. Et on va arriver, l'accord suivant sera un D. D'accord ? On y va. Moi je me dis que c'est... On passe en D. En A. Toi, tu es celui qui... On passe en G. Rythme mon bonheur, qui rythme mes humeurs. On revient en A. 1, 2, 3. Juste comme ça. D. Doigt 1, doigt 2, doigt 3. Toi, et pour la toute première, 3 doigts collés, on passe en A. Toi, pardonne-moi, mais G. Doigt 1, doigt 2, doigt 3. Trois doigts collés. Et toi et moi. Temps de silence. Oh, ça y est. On fait une pause. Donc, sur les deux derniers accords, ça fait comme ça. Et toi et moi. Temps de silence. Oh, ça ira. Alors, ce qu'il faut faire pour être dans les temps, c'est que... Quand ça fait « oh », il faut faire les accords. Exactement. Quand il y a le temps de silence, il ne faut pas en profiter pour regarder les oiseaux qui passent. Il faut en profiter pour se mettre en D, de façon à ce que quand on doit jouer l'accord, on soit déjà prêt. Parce que quand j'ai fait avec Andrea la dernière fois, ben, je vous ai entendu. Ah, d'accord, donc tu écoutes bien, c'est bien. Donc, tu vas me montrer comment tu fais. Tu te places en A. Oh! Ça ira trop tard. Parce que, tu vois, tu n'as pas... En fait, quand on joue de la guitare... Maintenant, à ton niveau où tu commences à savoir un petit peu jouer, à bien enchaîner les accords, c'est ce que j'expliquais à Andrea tout à l'heure, il faut commencer un petit peu à... Mince, je ne trouve plus le mot. C'est-à-dire en fait qu'il faut que tu commences à voir à l'avance quand tu joues un accord, par exemple, quand tu joues là le A, il faut déjà que... Une fois que ton A est placé, que ton œil il aille un peu plus loin, voir quel accord arrivera par la suite. Il ne faut pas que se contenter de jouer ton A, il faut en plus aller voir quel accord tu joueras par la suite. Donc ça s'appelle anticiper. Voilà, ça y est, ça me revient. Voilà, donc il faut commencer maintenant à ton niveau, Théodrène, à anticiper un petit peu l'accord d'après, c'est-à-dire donc avoir son œil qui part un petit peu plus loin pour regarder l'accord qui arrive après. Donc on recommence ce petit passage-là. Et toi et moi. Oh, ça y est. Parfait. Bien, Théodrène. Donc on peut continuer sur le deuxième couplet. Donc le deuxième couplet, ça reprend. En D puis G en fin de phrase, D à nouveau puis G en fin de phrase, et après EM en début de phrase et A en fin de phrase, et à nouveau EM en début de phrase et A en fin de phrase. Donc on repart en D. Ah mais tu y es, parfait. J'étais restée.
Donc, on retrouve le rythme. J'aime les airs assurés que tu empruntes au plus beau menu. On passe en G. Doigt 1, doigt 2, doigt 3. Très bien. Et on revient en D. Doigt 1, doigt 2, doigt 3. Ton regard doux comme un secret, tes caresses aux limites de la vie. On revient en G. Doigt 1, 2, 3. La naissance. EM, deux doigts collés. Tu comprends tous mes silences, chacun de mes petits moments d'abs. Ah, trois doigts collés. D'absence. Et on remonte en EM avec deux doigts. Si je vais au paradis, je suis pas sûr de voir la différence. Et on enchaîne avec le refrain. Moi je me dis que c'est. On passe en D. 1, 2, 3. Toi. Et je sais que tu lis. Trois doigts collés, on passe en A. Crois. Tu es celui qui. On passe en G. Doigt 1, doigt 2. Doigt 3. Qui rime mes bonheurs, qui rime mes humeurs. En passant à trois doigts collés. Juste comme ça, et je me dis que c'est. En passant D. 1, 2, 3. Toi, et pour la toute première. En passant à trois doigts collés. Pardonne-moi. G. 1, 2, 3. Toutes mes colères, le temps fera l'affaire. A. Et toi et moi. Oh, ça y est. Bien, bravo Théodrène. Donc il nous reste simplement à apprendre le pont, ce pont qui est pas facile à retenir puisque il est différent du couplet et du refrain. Dans sa mélodie, il est différent. Après les accords, c'est en début de phrase G, en fin de phrase D, puis G à nouveau, puis D à nouveau, puis G à nouveau, puis D à nouveau. Et ça finit par un A. Donc, voilà, il faut retenir ça. G, D, G, D, G, D, A. Voilà. Donc, on se place en G, Théodrène. Doigt 1, doigt 2, doigt 3. G. Ok. Et alors là, ça fait à peu près comme ça, parce que c'est une mélodie là dans le pont que j'ai vraiment du mal à retenir. Ça fait comme ça. Je me dis, prenons des risques et de toutes les façons, c'est trop. D. Doigt 1, doigt 2, doigt 3. On repasse en G. Au pire, on aura des souvenirs de jolis moments dans les tiroirs. On passe en D. Et on revient en G. Doigt 1, doigt 2, doigt 3. J'ai peur de ta gentillesse, comme étant de beau. On passe en D. Tu sais, j'ai peur. Ah,
Ok, donc je te le fais un coup toute seule. Regarde bien mes doigts. Donc ils passent du G au D. Regarde bien Théodrène. Je me dis prenons des risques et de toute façon c'est trop tard. Au pire on aura des sourires, de jolis moments dans les tiroirs. J'ai peur de ta gentillesse, elle promet tant de bonheur, tu sais. Je me dis que c'est toi. On repart après sur le dé et sur le refrain. On refait un dernier coup le refrain et ce sera bon pour aujourd'hui, Théodrène. Allez. On se motive. Alors, place bien ta jambe droite sur le trépied. Voilà. Donc, on finit, quand on dit « Oh, j'ai peur », on est en A. Et on reste en A pour démarrer le refrain. Et on passe en D, effectivement. Donc, mets-toi en A. J'ai peur, moi je me dis que c'est... Et je sais que tu y crois. Tu es celui qui j'ai. 1, 2, 3. Rime mon bonheur, qui rime mes humeurs. Trois doigts collés. Juste comme ça. Et je me dis que c'est. Et pour la toute première A, fois, pardonne-moi, mais en G, 1, 2, 2, 3, 3, et toutes mes colères, le temps fera l'affaire. Joyce Jonathan, dont le titre c'est Ça ira. Alors Théodrène, tu es prêt? C'est parti? Oui. Bon, alors les deux premiers accords ça va être D et G. Alors montre-moi comment tu fais le D. Le D. Alors, doigt 1. Doigt 1, doigt 2, 3. Voilà, doigt 2, doigt 3. Très bien. Qu'est-ce qui se passe avec le D? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Tu te rappelles? Alors, avec le D, ce qu'il a de particulier, c'est qu'on gratte que les aigus, c'est-à-dire on ne gratte pas.